Et je crois que ce que je pense de cette compétition que le Cameroun vient d'organiser, vient d'habiter à Yaoundé et partout, un peu au Cameroun, du moins dans les sites qui ont été retenus pour arbitrer cette compétition, qui est la 33e édition de la CAN et la 2e édition de cette même CAN que le Cameroun habité, organisé. Je pense que dans l'ensemble, c'était une CAN totalement réussie. Un très grand succès pour le Cameroun qui a démontré, s'il en était encore besoin, n'est-ce pas, qui a démontré que aujourd'hui, l'Afrique peut arbitrer de très grandes compétitions, des compétitions majeures, comme vous le dites, à savoir les Jeux Olympiques, à savoir la Coupe du Monde et d'autres grandes compétitions, n'est-ce pas, du niveau mondial. Ça, c'est clair, le Cameroun peut déjà le faire. Non seulement nous avons des infrastructures adéquates pour le faire, mais nous maîtrisons, n'est-ce pas, l'organisation qu'il faut, n'est-ce pas, pour ce genre de compétition. Et d'ailleurs, nous avons été félicités partout dans le monde, à commencer par la FIFA, à commencer par la CAF, à commencer par d'autres pays qui ont adressé des lettres de félicitations au président de la République et qui ont félicité, n'est-ce pas, qui ont apprécié à sa juste valeur, n'est-ce pas, l'organisation de cette CAN, et malgré, n'est-ce pas, un petit point noir qui est venu comme un peu obscurcir, n'est-ce pas, cette CAN, à savoir le drame qu'il y a eu à Olembe et qui a occasionné 8 morts. Mais cela n'enlève en rien si nous partageons, n'est-ce pas, le décès de ces compatriotes morts pour soutenir leur équipe nationale. Mais il n'en demeure pas moins que la CAN, n'est-ce pas, fut un succès total. Vous savez, les lions ont toujours été légendairement fair play. Vraiment, s'il y a une équipe, un pays au monde sur le plan du sport, singulièrement du football, pour son esprit de fair play, je crois que les lions figureraient vraiment parmi les top premiers. Ça, c'est clair. Donc, nous avons toujours été légendairement fair play. Et vous voyez, nous avons organisé une CAN, nous ne l'avons pas perdue, et nous ne l'avons pas gagnée, autant pour moi. Nous l'avons perdue, mais je crois que personne qui a assisté à cette CAN ne peut regretter pourquoi y avoir participé. Normalement, dans la loi du sport, ce que j'appellerais la loi du sport, ce que je peux aussi dire la jungle du sport, je crois que quand on n'a pas réussi, quand on n'a pas atteint l'objectif majeur qui vous a été assigné, généralement, on en tire les conséquences. On en tire les conséquences, et généralement aussi, les conséquences, c'est comme il s'agit, n'est-ce pas, du football et de l'équipe nationale, et certainement, et naturellement, de celui qui encadre techniquement cette équipe nationale avec son staff. À défaut de démissionner, on les démissionne.
Je crois aussi que c'est un oubli majeur. Je crois vraiment que c'est un oubli majeur. Si le ministre a fait cette sortie en se basant uniquement sur les cannes, effectivement, oui, au niveau des cannes, aucun Camerounais, n'est-ce pas, n'a jamais gagné, n'est-ce pas, cette compétition dite effectivement majeure, parce qu'elle est effectivement majeure au niveau africain et même au niveau mondial. Aucun Camerounais ne l'a jamais fait. Je ne rentrerai pas pourquoi ils ne l'ont jamais fait. Je crois que tous les Camerounais aussi savent pourquoi les Camerounais, n'est-ce pas, n'ont jamais eu, n'est-ce pas, cette chance, n'est-ce pas, d'aboutir avec l'équipe nationale à une compétition comme la CAN. La simple raison est que on ne donne pas les mêmes moyens, n'est-ce pas, quand il y a les coachs camerounais, qu'à ceux qu'on donne quand il y a des expatriés. Là, on leur donne tout. Tout, c'est même si on ne dit pas qu'ils imposent qu'ils fassent ceci, qu'ils fassent cela. Mais malgré tout, parfois, il y en a qui réussissent, comme les cinq qui ont réussi. Et il y en a aussi qui échouent. Il y en a qui échouent. Donc, on n'a jamais donné cette opportunité aux Camerounais. D'ailleurs, je vous dirais que la plupart des Camerounais qui sont nommés sont à titre intérimaire, en attendant que le véritable responsable revienne ou alors soit nommé. Les Camerounais en ont. Je crois même que nous sommes en avance par rapport à certains pays qui, malheureusement, ont tenté, n'est-ce pas, l'expérience avec les nationaux. Mais le Cameroun en a. Je vais même vous dire qu'au niveau même de la formation, au niveau des stages et tout, nous brillons. Si la CAN est une compétition majeure, les Jeux Olympiques, normalement, si on pouvait, s'il y avait quelque chose de plus majeur, on le dirait. Hein? Les Jeux Olympiques qui sont de niveau mondial, parce que c'est mondial, alors que la CAN, c'est un peu limité à un continent. Mais je dis, les Jeux Olympiques comme la Coupe du Monde, c'est mondial. C'est mondial, c'est tous les continents réunis avec des grandes vedettes. Je crois que ça devait être un lapsus de la part du ministre, parce que je ne pense pas qu'un monsieur aussi cultivé, n'est-ce pas, puisse annoncer une telle nouvelle, puisse dire une telle parole. Non, je ne pense pas. Sauf si le ministre n'était pas là quand il y avait toutes ces victoires. Surtout les Jeux Olympiques. Mais les Jeux Olympiques ont bouleversé. Même les quarts finalistes en Coupe du Monde n'ont pas atteint le niveau, n'est-ce pas, de joie, le niveau de bouleversement qu'il y a eu, n'est-ce pas, quand le Cameroun s'est hissé sur la première marche du podium en glanant la médaille olympique. Avec Jean-Paul Akono, qui est en train de vous parler, à la tête du staff technique qui était essentiellement composé de Noirs. Et je vais vous dire, la CAN aujourd'hui, c'est une véritable révolution. Et il faut que nous emboîtions. Mais hélas, nous devons emboîter, n'est-ce pas, cette révolution africaine. Sur les 24 pays qui avaient ici lors de la CAN, je crois que 16 ou 17 ou 18 étaient amenés par les entraîneurs noirs, les entraîneurs nationaux. Hein? Donc, et on a vu, en finale, il y avait un entraîneur noir national contre un entraîneur expatrié. Il a gagné. Et avant ça, il y avait Yao Martial de Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN, je crois, c'était au Sénégal en 92. Hein, face effectivement aussi à un entraîneur expatrié. Donc, je crois que le problème n'est plus là. Il y a des pays qui ont compris que non. Non seulement nous les faisons venir, ils ne connaissaient rien du contexte environnemental au Cameroun, ils ne savent rien de la psychologie qui règne au Cameroun, qui y a au Cameroun quand on a affaire aux footballeurs quelque part, par exemple ici au Cameroun, ils n'en savent rien, mais ils veulent venir un peu parfois nous imposer
ce qu'ils ont dans leur environnement à eux là-bas, comme la plupart sont des Européens, là-bas en Europe, non. Le continent européen et africain sont diamétralement opposés au niveau des valeurs, au niveau de l'environnement culturel et tout et tout. Donc, moi je pense que nous ne sommes plus aux années où on venait d'être nouvellement indépendant et où nous manquait cruellement de cadres. Maintenant, nous n'avons rien. Alors là, rien du tout, n'est-ce pas, à avoir une expertise, surtout au niveau, si peut-être au niveau politique, encore qu'au niveau politique. Pourquoi ne pas prendre aussi un blanc pour être président de la République, pour être premier ministre, pour être même ministre, pour être les directeurs généraux? Mais pourquoi? Pourquoi il y a un président qui est camerounais depuis 1960, depuis même 1958, hein? Premier ministre, premier ministre, président. Les ministres sont les ministres camerounais, les DG sont les DG camerounais, je ne sais pas, tout. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus d'expatriés vraiment qui sont des experts dans nos administrations. C'est les Camerounais qui assurent ça. Pourquoi ne pas le faire au football? J'ai toujours, je crois que ce n'est pas ici que je vais le dire. Je vais plutôt profiter encore de votre antenne pour le réitérer que il est largement temps, je dis bien largement temps, depuis au moins 15 ans ou 20 ans, que nous devions avoir un coach camerounais à la tête de leur équipe nationale, parce que nous aussi, nous sommes des experts en matière d'entraînement. Je voulais vous dire tout à l'heure que pendant les formations, ce sont généralement les Africains et particulièrement les Camerounais qui arrivent souvent en tête dans ces formations-là. Et encore, ces Européens, ces Blancs, n'est-ce pas, on leur donne souvent cette histoire-là comme ça parce qu'on leur dit que bon, vous ne pouvez pas entraîner ici parce que ceux qui les forment connaissent leurs valeurs. Il leur donne les mêmes diplômes pour dire vous irez partout, mais pas ici parce que nous connaissons votre véritable niveau. Je ne sais pas, nous qui sommes les pays pauvres et surendettés, que nous puissions payer des gens qui n'ont même pas de valeur d'expertise à l'entraînement par rapport aux Camerounais, qu'ils glanent des cinquantaines, des centaines de millions. Alors qu'aucun Camerounais, même par intérim, il n'a même pas de contrat. C'est-à-dire que le salaire qu'on lui donne, c'est ce que décide son propre frère. J'ai dit non, il faut cesser avec ce complexe. Il faut cesser avec ce complexe d'infériorité. Il faut cesser avec ça. Nous-mêmes qui sommes entraîneurs, moi je n'ai aucun complexe à me faire vis-à-vis d'un entraîneur expatrié. Mais pourquoi ceux qui nous gouvernent ont ce complexe? Pourquoi? C'est à la limite, si ce n'est pas des insultes vis-à-vis, n'est-ce pas, des techniciens camerounais, qui sont les plus huppés. Qui sont les plus huppés. Qu'on nous donne les moyens, et si tu ne peux pas, on te remplace par un autre Camerounais. C'est moi qui vous remercie d'avoir une fois de plus profité de votre antenne pour dire ce que je pense, ce que je pense. Et je terminerai en disant que nous avons une CAN, on n'a pas atteint l'objectif qui était celui de le gagner. Alors, le président de la FECAFOOT et le ministre en tirent les conséquences. Je crois que c'est la moindre des choses. BNews One, le tam-tam du continent.